Un paysage de savane qui prend vie sous les traits de l'illustrateur Antoine Guillopé et grâce à la musique de Jacob Diboum. Dans le cadre du Salon Régional du Livre pour la Jeunesse, ce concert dessiné s'est tenu au Muséum d'Histoire Naturelle de Troyes, un spectacle inédit. Il est très rare que je dessine en public, il est très rare que je dessine en grand format, il est très rare que je dessine à la verticale. Donc oui, c'est vraiment un exercice à part. En même temps, ça fait partie effectivement de mon métier. Je vais dessiner des personnages, des éléments de mes albums. Donc il y a le rapport au livre. Mais c'est une première. J'ai déjà fait dessiner concert, mais un concert dessiné, c'est carrément autre chose. Donc c'est vraiment pour moi une première expérience avec Antoine. C'est une richesse, quoi. La rencontre, c'est une richesse. Pour les deux artistes, un dialogue s'installe tout au long de la représentation, un pont entre deux arts. Là, l'intérêt, c'est aussi d'écouter ce que Jacob va me proposer. Et ça peut même interagir sur mon dessin, de dessiner plus vite parce que son rythme va s'accélérer ou d'être plus dans quelque chose de contemplatif. Je voulais que j'ai une certaine liberté de pouvoir jouer ce que je veux. Mais en même temps, moi aussi, j'avais envie quand même de suivre ce qu'il faisait. Et les personnages, j'avais eu quelques idées qu'il m'avait proposées. Et donc, je le suis, quoi, en fait. Durant près d'une demi-heure, le dessin s'agrandit et prend tout son sens. La couleur s'invite au fur et à mesure et Antoine Guillopé appose aussi quelques papiers découpés. Et le public s'amuse à deviner la suite au fil du spectacle. C'est toujours pareil, quand on regarde quelqu'un qui dessine, on voit un trait, on en voit deux, mais on ne sait pas où ça va. Et je pense qu'il y a cette idée un peu de magie, de découvrir ce qui va se passer, ce qui va apparaître sur la feuille. Un mélange de musique et d'illustration que petits et grands ont apprécié. Ouais, c'était beau, et aussi l'écriture, c'est beau. Le spectacle, il y a fait de la musique, c'était très beau. Bah, il y a fait des bonhommes, une girafe... Il y avait plein d'animaux, c'était très joli. J'ai beaucoup apprécié cette initiative-là, je trouve que c'est très heureux et ça permet d'associer les enfants et les parents et chacun s'y retrouve en fait. Et pour découvrir l'univers visuel d'Antoine Guillopé, le musée Saint-Loup propose l'exposition « Mes histoires découpées » jusqu'en janvier 2021.